Salut tout le monde, c'est Nico, votre coach, et au cours de cette vidéo, nous allons voir comment prendre son pouls. Alors pour prendre son pouls, on a, on va dire, trois manières générales de le faire, donc deux qui se ressemblent et une qui est un petit peu différente. Alors la plus simple selon moi est celle-ci, c'est le cardio-fréquence-mètre. Donc ça vous pouvez acheter dans tous les commerces, vous avez une petite montre avec ici, voilà, un petit capteur. Et on place ensuite donc l'électrode juste en dessous, voilà, au niveau des pectoraux. Voilà. Une fois que l'électrode est en place, j'ai juste à activer ma montre et je sais quelle sera ma fréquence cardiaque à tout moment. Si je suis en train de courir, faire des flexions, des sauts, je l'ai immédiatement. Ok ? Il est possible maintenant que vous n'ayez pas de cardio-fréquence-mètre. Donc dans ce cas, comment faire pour prendre son pouls ? Soit vous allez prendre votre pouls ici, au niveau de votre poignet, d'accord ? En plaçant ici vos deux doigts, voilà, contre la veine. Ou soit, ce que je vous conseille, c'est de le prendre ici, dans le creux du cou, ce qui est un petit peu plus facile parce qu'on ressent un petit peu plus, son pouls. Donc, en plaçant vos doigts ici ou ici, vous allez sentir un petit impact, une petite secousse. Ça, c'est tout simplement votre cœur qui bat et qui envoie donc un afflux sanguin au niveau de tout votre corps. Ok ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre un chronomètre et chronométrer sur 10 secondes. Vous regardez votre chronomètre, vous le lancez, vous prenez votre pouls et vous comptez le nombre de pulsations qu'il va y avoir sur 10 secondes. Une fois que les 10 secondes sont passées, on s'arrête, on garde le chiffre bien en tête et on le multiplie par 6 pour arriver à 60 secondes et donc sa fréquence cardiaque à la minute. Ok ? Et voilà, et maintenant vous savez comment prendre votre fréquence cardiaque.